Voici le test ultime du fusil blaster DC-15. Pour obtenir cette arme, vous avez les 3 emplacements que je vous montre dans le gameplay. Ce fusil a une cadence de 4,3. Si vous tirez dans la tête, ça fera 46 de dégâts et si vous tirez dans le corps, ça fera 37. Et même si vous êtes à 200 mètres, ça fera exactement les mêmes dégâts. La distance maximum pour infliger des dégâts, c'est entre 300 et 350 mètres. La grande particularité de cette arme, c'est qu'elle n'a pas besoin de recharger. Vous avez des munitions illimitées. Par contre, si vous tirez en continu, elle va surchauffer et il faudra attendre qu'elle refroidisse. Mais si maintenant vous avez 2 fusils blaster sur vous, vous avez juste à switcher entre les 2 armes et là vous allez vraiment pouvoir tirer en illimité sans vous arrêter. Ou alors vous pouvez aussi gérer votre cadence de tir pour pouvoir tirer en continu sans qu'elle surchauffe. Mais il va falloir gérer la cadence pour que l'arme ne surchauffe pas. Si l'arme surchauffe, il lui faudra 2 secondes et demie pour refroidir. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette arme? Elle est bien ou elle est pourrie? Code créateur SCM.